retour du roi. C'est pas une affirmation, c'est plutôt une question que je vous pose à vous. Bienvenue tout le monde, nous sommes sur Call of Duty World War 2, la Seconde Guerre mondiale, hein, vous l'aurez compris. Et Call of, c'est une longue histoire, une très longue histoire. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps, depuis le début, savent que j'ai fait mes premières armes sur Call of. Ça va faire plus de 10 ans que je joue à Call of, et ça va faire 4 ans que j'ai abandonné Call of, hein, n'ayons pas peur. Et puis là, tout le monde parle d'un retour, tout le monde parle du retour, du grand, du seul et de l'unique, justement, Call of Duty. J'espère que les gens n'ont pas tort, nous sommes sur la bêta privée, pas si privée que ça finalement, parce que si vous recherchez un petit peu sur internet, tout le monde peut y jouer en créant un compte à Hong Kong, enfin gros, les gros bails quoi, t'imagines même pas le bordel, mais tout le monde peut y jouer au final, donc pas si privé que ça. Et on va passer cette cinématique, on se retrouve juste après, parce qu'au final, est-ce qu'on n'aurait pas rien à foutre? Je pense que si. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve comme chaque année sur le jeu complet, comme les bêtas, pour ma toute première partie que je tiens absolument à chaque fois à vous proposer. Je n'ai jamais joué à la bêta auparavant, voilà, donc ça va être une totale découverte. Je vais donner mon avis. Il faut savoir que l'année dernière, je vous avais proposé mes premières parties sur comment il s'appelle déjà ce jeu de mort, Infinite Warfare, me semble-t-il, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Bref, je vous avais proposé donc mes premières parties sur ce jeu et je n'ai plus jamais rejoué au jeu après les vidéos que vous aviez vues sur ce Infinite Warfare, parce qu'il était tout simplement ignoble. Comme je vous disais, quand tu appuies sur saut et que tu te retrouves à faire 4 fois le tour de Jupiter, ça va la comédie. Bref, j'ai choisi Airborne avec une MP40. MP40 qui dans World War 1 était une des meilleures armes. Ah, c'est pas vraiment une MP40. J'ai peut-être dit n'importe quoi. Ils appellent ça la Grease Gun. Je ne sais pas pourquoi. Elle ressemble étrangement à la MP40. Où est la MP40? Attendez, est-ce que je vais la trouver? D'accord, écoutez, pour moi c'est une MP40, voilà, bon, quoi qu'il arrive, j'ai choisi cette classe qui me paraît bien sympa. Nous allons jouer à ce jeu en live, mais en attendant, on se retrouve pour notre toute première partie, comme je vous disais. Formation initiale, je suis fourrageur, je fourrage un max, j'ai des grenades, ça me plaît bien, j'ai des atouts, j'ai aucun accessoire, division aéroportée, ok, aucun souci. Récupérer des munitions sur les corps des ennemis, tuer et changer d'arme plus rapidement, d'accord, c'est ça l'atout. On a le droit d'avoir qu'un seul atout. Recharger plus rapidement et en sprintant, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Profiter de deux armes principales et changer d'arme plus rapidement. D'accord, on a le droit qu'à un seul atout par classe. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Pour l'instant, ça me plaît bien. On a les bonus de série de points. J'ai pour l'instant l'appareil de reconnaissance, le drone qui demande 500 points. La bombe planante, je suppose le missile Predator qui en demande 650. Et barrage d'artillerie, un largage de plusieurs obus à mon avis, à 850. Ok, jusqu'ici j'ai tout compris. Hein. On n'est pas plus con que les autres comme on dit si bien dans le milieu. On est donc parti pour notre première game. J'espère que tout va bien se passer. J'espère vous proposer un petit ratio assez simple. Pas assez raisonnable, hein, évidemment. Nous serons donc dans la forêt des Ardennes. Ça fait plaisir, les gars. Et on a réussi à trouver une partie. J'espère que cette première game va être plutôt cool et que tout va bien se passer. Voilà, j'aimerais vous proposer un ratio assez sympa. Peut-être pas 2 ou 3 de ratio comme à l'époque, parce que ça fait 2-3 ans j'ai rage quit Call of. Mais au moins un petit ratio un peu cool, histoire que, bah, que tu te fasses pas chier tout simplement en regardant le gameplay. Je rappelle que c'est vraiment ma première game. J'y ai pas joué auparavant. J'ai pas regardé de vidéos d'autres youtubeurs ou autres. C'est vraiment la surprise totale. J'ai juste modifié tout à l'heure dans les commandes la sensibilité, je me suis mis à 5 à peu près, donc on verra ce que ça donne. Allez, on est parti les gars, je connais pas du tout la carte, hein. Je me dirige dans un endroit totalement aléatoire. Je viens de jeter ma première grenade, ça fait plaisir. J'ai touché quelqu'un, ça, ça fait très plaisir aussi. Ok, il y a personne ici. Il y a personne, ok, bon, enfin, il y avait quelqu'un mais il vient de mourir. Oh mec, non, c'est pas bien ce que tu fais, non, c'est pas bien. Là, t'as pas bougé de ton spawn, c'est pas bien du tout ça. Oh, c'est pas bien, il faut pas faire ça, monsieur, dans une bêta. Monsieur, il ne faut pas faire ça dans une bêta. Pourquoi? Parce que c'est à cause de toi que les gens se font insulter le fils de pute en ligne. Alors, est-ce que je rage? Bien évidemment, tiens, dans ta gueule. Et ils bougent pas, les mecs, hein. Eh, les gars, bougez, hein, c'est une bêta, hein. Eh, c'est pas vos scores, vous allez pas garder vos scores à vie, hein, vous inquiétez pas pour ça. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Oh là les gars, j'ai plus de réflexe. Ah, j'ai plus de réflexe et je suis pas du tout, je ne connais pas du tout le recul des armes. Là j'ai totalement chié, c'est my bad. Ok, on va essayer de se concentrer. Les mecs ne bougent pas de chez eux.
à part lui, c'est tout à son honneur, mais... Ok, on prend quoi là ? Ah d'accord, forcément. Forcément, vu que ça ne bouge pas, ok. Je vais devoir... Ah, il en a marre de se faire bombarder la gueule. Bah oui, mais Coco, si vous donnez tous les kills aussi, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Ah, ils ont un drone, ça va être terrible. Une élimination, c'est normal, c'est Bibi qui régale, les gars. Ok, on va rester près de là. Pourquoi ? Bah, parce que je suis tout simplement au milieu de carte. Et donc... Et donc forcément, si je m'avance plus, je risque de me faire sauter les fesses. Hop. Bon, ça va, jusqu'ici les mecs tombent, ça fait plutôt plaisir, on va pas se mytho. Tu l'as mis on va passer temps. Par ici. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est en premier, c'est moi qui est mort alors qu'on va aller. Ah, ça rage, c'est normal. Ah, c'est tout à son honneur, c'est tout à son honneur parce que là je suis persuadé de l'avoir touché une deuxième fois et j'ai pas eu d'hit marker. Par contre, on va muter les mecs. Alors les gars, c'est pas que je vous aime pas. Ah d'accord, on mute tout le monde comme ça, impeccable. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc les gars, pour l'instant, mitigé sur le gameplay que je vous propose. Mais ça me permet de faire un petit avis quand même sur ce jeu. Et j'espère réellement que ce soit le retour de Call of, les gars, quand même. Parce que Call of, c'est un jeu qui me tient à cœur. C'est un jeu dans lequel j'ai passé pas mal d'années. Et ça serait dommage... Ça serait dommage que ça ne revienne pas. Ah ouais, putain, c'est l'autre qui m'a stressé, désolé les gars. J'ai paniqué, bah j'ai pas... Oh, quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Ça nous spawn kill nos petites chattes ? Les mecs ! Faut se ressaisir. Non, là c'est injuste. Il est pas mort. C'est bon, là il est mort. J'ai juré, je te suis jusqu'à la mort, mec. Parce que c'est quand même lui qui m'a spawn kill. Ok, on va passer par ici. En tout cas, le jeu est très très beau. Très très propre. Ok, on va passer par ici. Reconnaissance en cours. Oh putain, les gars, faites pas ça. Ils m'ont fait balise, c'est con. J'ai plus l'habitude de voir. De faire la différence entre les alliés et les ennemis. Alors je me fais peur tout seul, je vais pas vous mytho. Je me fais peur et c'est un petit peu terrible. Tiens, on va acheter une petite greu là-haut. C'est Bibi qui régale. Je vais aller dans ma propre greu. Et on va laisser peser. Ok, ok, ok. Ça sert à rien de dropshot avec moi, petit. On connaît tes bails. Pareil de reconnaissance. On connaît tes petits bails. On connaît tes petits bails, frérot. Bon, là, ils ont un drone. Oh, cette caisse. Cette caisse, ce tonneau, à mon avis, il va y avoir du monde derrière. Il va y avoir des campeurs, c'est moi qui vous le dis. On va retourner, on l'a feinté. Ok. Bah là, on les attend, tu sais. Là, on les attend tout simplement parce que eux, ils ont un drone. Donc, ils ont juste à venir, on les cueille. En plus, on est chez eux. J'ai quand même fait l'effort de me déplacer, n'est-ce pas? Donc, le mieux, c'est d'attendre. Oh putain, je m'en suis sorti, mais alors là, c'était assez compliqué. Hein. Ah, c'était une situation complicade. Lui, s'il meurt pas, je comprends pas. Ok, j'ai cru qu'il allait pas mourir. Je suis content parce que les mecs tombent assez bien. Tombent assez vite. Ok, ça va arriver. Bougez pas. On va les attendre, les frérots. Eux nous attendent pas mal. On va faire la même. Allez, on va y aller. On va y aller. Oh putain, j'entends. Allez. Ok, c'est bon. J'ai eu chaud. Arme niveau supérieur. Tiens donc. Il y a des niveaux d'armes. Pourquoi pas. Reconnaissance aérienne. J'ai hâte de voir ce que ça peut me débloquer. Vol de reconnaissance terminé. C'est quoi ces conneries? Allez, la doublette. C'est Bibi qui régale. On s'abrite pas avec moi, les gars. Et en plus, c'était juste à côté de moi. C'est impressionnant, par contre. Très sympa, j'aime bien. Artillerie disponible pour affectation en attente de coordonnées. Ok, on est parti. Batterie 1, feu. Waouh! On se casse! Oh, c'est incroyable tout ce qui se passe! On va aller là-bas pour les empêcher. Ok, ok, ok. Les gars, je me suis fait tirer dessus par derrière. Oh, il est perché, il sait plus où il habite. Je suis en petite série. Oh, j'étais en série! J'étais en bonne série, putain, on les a remontés. Aïe, aïe, aïe!
Grâce à Mister B-Boy, le move interdit était présent. Mais je suis premier. Pour ma première game, je suis premier. C'est incroyable. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien le jeu, honnêtement. Bonne ambiance. Seconde guerre mondiale, forcément, c'est toujours mieux que faire un double saut et faire 4 fois le tour du système solaire. Non, monsieur. Adieu. Monde de merde. Ah! Ah, j'ai essayé de le brain, mais ils étaient deux, c'était assez terrible. C'était mon destin, je devais mourir. C'est la guerre, ça se passe comme ça chez McDonald's. Hop, on va jeter ça là-haut. Comment ça on essuie des pertes, les gars? Non, on est sur rien du tout. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs autour de moi qui sautent! Mec, quoi? Quoi? Monsieur, faut mourir! Oh, je suis vexé! 3 balles! Mais dites pas que ça tombe vite dans le jeu, ok? Mais dites pas que ça tombe vite parce que là, vous l'avez vu, c'est assez terrible. Hop, c'est cadeau. Attends, il y a vraiment des mecs qui se déplacent. Je sais pas si les wallbangs passent bien dans le jeu. Dites-moi en commentaire, les gars, si ça passe bien à travers les petits murs en bois. Petits murs de chalet comme ça, on apprécie d'ailleurs. C'est rien. Ok. Par contre, mon arme a l'air assez compliquée. Ça a pas l'air de tomber. À mon avis, ça spawn derrière. Ça spawn derrière, frérot. J'en suis quasi persuadé. Hein. Je suis une salope si ça passe spawn derrière. Voilà, c'était sûr. Non, vous m'avez déçu. J'ai tout misé sur vous. Je vous ai tout donné, les gars. Je vous ai tout donné. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Je vous faisais confiance, les gars. C'était notre guerre. On devait la gagner. C'était notre mission. Et vous me faites ça à moi, putain. Quoi, il y a un gars, il est passé premier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'étais premier. Et en plus, je me fais rétrograder deuxième. Non. Non, messieurs, c'est interdit, c'est illégal, pourquoi? Ah non, bah, je suis repassé premier, voilà. Bon, c'est normal, je méritais, les gars. 21 pour 10, bah ça fait un petit ratio de 2 quand même, ça fait plaisir. On a perdu, j'en suis désolé, mais ça c'est ma team, je peux rien faire de plus. Ça se passe comme ça chez McDonald's, comme on dit dans le milieu. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un petit match à mort comme ça, lancé ma toute première game sur cette bêta de World War 2. Et pour vous dire ce que j'en pense pour le moment, alors en une game, on ne peut pas juger un Call of, même si le dernier Call of, je l'ai très très vite jugé en une seule game. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. C'est une ambiance qui me plaît bien aussi. Je me suis pas trop attardé encore sur les atouts et tout, mais on peut en avoir qu'un. Donc ça a l'air cool, ça a l'air. Ils ont pas l'air d'être dans l'abus. Ils ont pas l'air d'en faire trop. Et ça me fait quand même plaisir. Je vais pas vous mentir là-dessus. Retrouvez-moi dès ce soir en live et tous les soirs au moment où vous regarderez cette vidéo en live sur Twitch. On continuera de jouer à ce jeu et bien évidemment, on continuera tout simplement de faire des petits massacres et je serai sûrement accompagné de Monsieur le V12 et d'autres personnes qui jouent à ce Call of Duty World War 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer cette première game. Et en plus, on s'en est bien sorti. Je n'ai pas proposé le pire des gameplays, donc c'est plutôt cool. Je ne vous ai rien appris sur le jeu parce que j'avais rien à vous apprendre étant donné que moi-même, j'apprenais à rejouer à un Call of Duty à l'ancienne. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, ciao ciao !